tous et à toutes, bienvenue à cette session de la Sphar TV. Et ce soir, j'ai la chance de modérer une session animée par Jean-Luc Fedaï de Lyon, qui va nous parler du paradoxe de la fréquence cardiaque. J'ai beaucoup aimé ton sous-titre, Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Je te laisse le choix de qui fait quoi dans ce sous-titre. Nous allons donc parler de la fréquence cardiaque en périopératoire, Jean-Luc, et effectivement, on peut imaginer que ça peut avoir des effets bénéfiques de ne pas être trop rapide ou de ne pas être trop lent, suivant à quel moment on se situe dans la prise en charge d'une intervention. Donc, je te laisse nous présenter ça avec brio, comme je le sais que tu le sais le faire. Merci Bertrand, donc bonsoir à toutes et à tous. Oui. Donc là, je vous ai résumé l'ensemble de mes liens d'intérêt qui n'ont d'ailleurs pas forcément à voir avec le sujet d'aujourd'hui pour un certain nombre d'entre eux. Donc si on se rappelle les principaux déterminants de la performance cardiaque, en tout cas dans l'approche conventionnelle, on parle souvent évidemment des conditions de charge, la précharge, la postcharge ventriculaire gauche. On parle souvent également de la contractilité ventriculaire gauche. Et puis on pense probablement un peu moins souvent à la fréquence cardiaque. Pourtant, la fréquence cardiaque a des effets sur, évidemment, le débit cardiaque. D'abord parce que le débit cardiaque, tout le monde le sait, c'est le produit du volume d'éjection systolique par la fréquence cardiaque. Donc la tachycardie accélère automatiquement, augmente automatiquement le débit cardiaque. Et puis parce que l'accélération de la fréquence cardiaque dans l'espèce humaine a un effet d'augmentation de la contractilité ventriculaire gauche. Donc cet effet, connu sous le nom d'effet Sterkes ou d'effet Bodich, est une spécificité d'espèce. Et enfin, la fréquence cardiaque, lorsqu'elle s'accélère, comme vous le savez, raccourcit le temps diastolique et du coup diminue potentiellement le remplissage diastolique ventriculaire gauche et donc également potentiellement la précharge ventriculaire gauche. Ce qui fait que pour un patient donné à l'instant T, il n'est pas forcément facile de prédire quel sera l'effet résultant d'une accélération ou d'un ralentissement de la fréquence cardiaque sur la performance cardiaque et sur le débit cardiaque. Il faut également se souvenir que si l'homme est capable, lors d'un exercice physique maximal, de quadrupler sa VO2, c'est d'abord et avant tout parce qu'il peut accélérer considérablement sa fréquence cardiaque. La fréquence cardiaque, vous le savez, elle peut plus que doubler. Donc l'augmentation de la fréquence cardiaque est la variable la plus importante pour l'adaptation à l'effort, physiologiquement parlant. Et dit autrement, l'incapacité pour un patient donné à accélérer sa fréquence cardiaque en réponse à une demande accrue, en réponse à un stress périopératoire, ce que l'on appelle donc de l'incompétence chronotropique, quelle qu'en soit la cause, et en particulier une incompétence chronotropique pharmacologiquement induite, par exemple par les bêta-bloqueurs, peut être un facteur limitant tout à fait significatif de l'adaptation au stress périopératoire. Alors évidemment, tout ça a un coût énergétique, et je vous ai mis ici pour rappel les principaux déterminants de la balance énergétique du myocarde, les déterminants de la consommation myocardique en oxygène à gauche, des apports en oxygène au niveau myocardique à droite, et vous voyez que la fréquence cardiaque est susceptible de peser défavorablement sur les deux plateaux de la balance, puisque la tachycardie augmente la consommation myocardique en oxygène d'une part et diminue les apports en oxygène au niveau myocardique par le raccourcissement, encore une fois, du temps diastolique, temps où est préférentiellement perfusé le ventricule gauche. Donc la tachycardie est doublement délétère, encore une fois parce qu'elle augmente le travail cardiaque, parce qu'elle augmente la contractilité, on l'a vu,
et parce qu'elle raccourcit donc la diastole et diminue la durée de perfusion coronaire. Et j'attire votre attention sur le graphique. On ne parle pas forcément de tachycardie sévère, de fréquence cardiaque à 120, 130, 140 battements par minute. Vous voyez que le simple fait de passer de 50 à 90 battements par minute, ce qui est presque un doublement de la fréquence cardiaque, se traduit par une diminution très importante du temps diastolique et donc de la durée potentielle de la perfusion coronaire. C'est un élément qui est absolument fondamental de garder présent à l'esprit. Ça, ce sont des données qui ne sont pas encore publiées, que l'on a recueillies sur des patients en réanimation après une chirurgie cardiaque, c'est pas très important. On a mesuré en fait les effets sur les principaux déterminants des performances ventriculaire gauche et ventriculaire droite, de dose croissante de l'andiolol, donc sur un range, vous voyez sur le graphique, qui va de 0,5 à 10 gamma kilominutes. Et vous voyez effectivement donc que le l'andiolol, à partir de 5 gamma kilominutes, on s'y attendait évidemment, et c'est connu, ralentit la fréquence cardiaque, sans diminuer pour autant d'ailleurs le volume d'éjection systolique. Et lorsque l'on regarde de manière beaucoup plus fine et détaillée les différents déterminants des performances ventriculaires gauche et droite, vous voyez qu'avec le ralentissement de la fréquence cardiaque, effectivement, on observe une amélioration du remplissage ventriculaire gauche, une amélioration de la fonction diastolique ventriculaire gauche. Donc encore une fois, quand la fréquence cardiaque ralentit, le ventricule gauche se remplit mieux, le débit cardiaque peut potentiellement augmenter, avec le volume d'éjection est à la limite de la significativité dans cette étude, et à l'inverse, lorsque la fréquence cardiaque s'accélère, le remplissage ventriculaire gauche est altéré, encore une fois. Chez les patients à risque cardiaque, en particulier les coronariens par exemple, ça ce sont les cardiologues qui nous l'ont appris, on le sait depuis longtemps, graphique de gauche, plus la fréquence cardiaque de repos chez ces patients est lente et moins la mortalité globale et la mortalité de cause cardiovasculaire, eh bien moins elles sont élevées. Et encore plus intéressant peut-être, lorsque l'on ralentit la fréquence cardiaque chez ces patients, eh bien on diminue clairement le temps d'ischémie myocardique et on diminue également la mortalité. Et ce, vous voyez, de façon à peu près linéaire. Plus intéressant encore pour nous peut-être, ça c'est une seconde analyse de la très grosse étude internationale Vision qui avait inclus, je vous le rappelle, plus de 15 000 patients qui n'étaient pas forcément coronariens ou insuffisants cardiaques. Ils avaient surtout comme caractéristique d'être âgés de plus de 45 ans. Et dans cette grosse étude réalisée en chirurgie non cardiaque, où l'incidence du dommage myocardique, le MINS, là, qui est l'acronyme anglo-saxon, était de quasiment 8%, 3% d'infarctus, 2% de décès. Eh bien, ce qui est intéressant dans cette étude, et je trouve que ces résultats-là ne sont probablement pas suffisamment connus des anesthésistes réanimateurs, lorsque l'on divisait par décile la fréquence cardiaque de repos de ces patients, c'est-à-dire à l'arrivée au bloc opératoire, eh bien, vous voyez très clairement que plus la fréquence cardiaque, j'ai alors peut-être un système de, voilà, de pointage, vous voyez que plus la fréquence cardiaque en fait, de repos est élevée, et en particulier pour les déciles les plus élevés, c'est-à-dire des fréquences cardiaques à partir de 90 battements par minute, ça n'est pas de la tachycardie stricto sensu, et plus on observe de complications cardiaques post-opératoires, plus on a de dommages myocardiques, plus on a d'infarctus du myocarde, et plus les patients décèdent. Et là encore, la relation, comme sur la diapositive précédente, entre la fréquence cardiaque de repos chez les patients au bloc opératoire et la survenue d'un dommage myocardique est une relation qui est à peu près linéaire. Alors le MINS, très vite, parce que ça n'est pas le sujet de la conférence d'aujourd'hui, mais je vous rappelle que c'est donc du dommage myocardique d'origine ischémique
qui apparaît dans les 30 premiers jours post-opératoires et qui est très fortement et de manière indépendante associée à de la surmortalité. Donc c'est évidemment ce que l'on veut éviter chez les patients à risque. Ce MINS qui se mesure par une élévation post-opératoire de troponine isolée lorsque s'associe à ce mouvement enzymatique des signes cliniques ou électriques ou échographiques. À ce moment-là, on parle d'infarctus du myocarde post-opératoire. Et je vous rappelle là aussi rapidement qu'il existe plusieurs types d'infarctus du myocarde. Celui qui nous concerne, c'est le type 2. Et comme par hasard, mais évidemment, c'est tout sauf un hasard, ce type d'infarctus est le plus souvent en rapport avec un déséquilibre de la balance énergétique du myocarde. Donc autrement dit, pour résumer ce que je viens de dire, il existe de manière convaincante au plan théorique et à partir de la littérature existante, un rationnel fort en faveur du contrôle périopératoire ciblé de la fréquence cardiaque, en particulier chez les patients à risque cardiaque, mais peut-être aussi chez tout le monde, mais sans générer évidemment d'incompétence chronotropique. C'est-à-dire que les médicaments chronotropes négatifs, et donc en particulier bêta-bloquants, présente un intérêt évident dans ce sujet-là, mais si vous ralentissez, si vous contrôlez la fréquence cardiaque chez les patients à risque en particulier, vous allez diminuer la morbi-mortalité. Si vous la contrôlez trop, si vous générez de l'incompétence chronotropique, vous allez empêcher les patients de s'adapter au stress périopératoire, et vous allez là aussi potentiellement générer de la morbi-mortalité. Ce sont les deux effets, Dr Jekyll et Mr Hyde, du ralentissement ciblé de la fréquence cardiaque au cours de la période périopératoire. Alors ce contrôle ciblé de la fréquence cardiaque s'intègre en plus dans une stratégie plus globale de monitorage et de correction de ce que l'on peut appeler les dyshoméostasies. Et encore une fois, vous voyez qu'en ralentissant la fréquence cardiaque, on a un effet bénéfique potentiel sur les deux plateaux de la balance énergétique du myocarde. Et on ajoute à cela un contrôle tensionnel strict et on est attentif à une bonne gestion de la transfusion sanguine et à une bonne oxygénation des patients. Comment est-ce qu'on peut éventuellement, de manière très simple, très clinique, approcher grossièrement, globalement, l'équilibre de cette balance énergétique du myocarde? Eh bien, je vous rappelle, ou j'exhume ces deux variables cliniques très simples que sont le double produit et l'indice de Buffington. Je ne sais pas si vous les connaissez. Le double produit, c'est le produit de la pression artérielle systolique multiplié par la fréquence cardiaque. Et on a un objectif éventuellement thérapeutique que l'on peut utiliser donc au bloc opératoire, qui est de maintenir ce double produit en dessous de 10 000, ce qui garantit d'une certaine manière une zone où l'équilibre de la balance énergétique du myocarde est probablement maintenu, puisque des déterminants majeurs du déséquilibre, comme la post-charge, approchés là très grossièrement par la pression artérielle systolique, et comme la fréquence cardiaque, sont à des valeurs, on va dire, raisonnables. Et puis l'indice de Buffington, c'est la même idée, mais c'est le rapport de la pression artérielle moyenne sur la fréquence cardiaque, et en gros l'idée est que la PAM soit supérieure à la fréquence cardiaque. Lorsque vous pilotez l'équilibre hémodynamique ou le contrôle de la balance énergétique du myocarde par ces facteurs et que vous faites en sorte d'être aux objectifs qui sont représentés sur la diapositive, eh bien vous êtes globalement, en tout cas c'est l'idée, dans une zone où le risque d'ischémie myocardique périopératoire est probablement faible. Alors il n'y a pas de grosse étude randomisée, contrôlée, multicentrique qui ait validé ces indices cliniques, mais ils font sens, ils coûtent rien, absolument rien. Et moi, je conseille volontiers, en fait, au moins de les regarder au bloc opératoire, voire éventuellement de s'en servir donc, pour ajuster ces objectifs de pression artérielle et de fréquence cardiaque, en tout cas chez les patients à risque. Alors quand on met en œuvre globalement donc une stratégie
de correction des 10 homéostasies dont je parlais à l'instant, à l'échelle d'une équipe d'anesthésie-réanimation, eh bien ça marche. Ça, c'est un travail qu'on a beaucoup montré depuis 10 ans, qui a été publié par l'équipe de Sylvain Ossé lorsqu'il était au Val-de-Grâce, à Paris, et où en chirurgie orthopédique lourde, donc c'est une étude de type avant-après, ils avaient montré qu'à partir du moment où toute l'équipe d'anesthésie s'astreignait de manière rigoureuse à lutter au cours de la période périopératoire contre l'hypoxémie, l'anémie, l'hypotension, la tachycardie, donc on la retrouve ici, et l'hyperglycémie, eh bien très clairement, les malades faisaient moins de dommages myocardiques post-opératoires, moins de complications cardiaques graves post-opératoires, et la mortalité était divisée par deux. Donc ça fonctionne, cette stratégie fonctionne. De la même façon, et là encore, ça n'a évidemment rien d'étonnant, on retrouve la fréquence cardiaque comme un des trois paramètres cliniques qui entrent dans le calcul du score d'Apgar chirurgical, qui est un score qui, là aussi, probablement, est encore sous-utilisé par les anesthésistes réanimateurs en chirurgie non cardiaque, alors qu'il a été validé dans tous les types de chirurgie à peu près, et pour un grand nombre de populations, caucasiens et non caucasiens. Il est très facile à calculer ce score d'Apgar chirurgical qui mime l'Apgar obstétrical. Et vous voyez, alors c'est un tout petit peu contre-intuitif, mais on comprend bien que si la fréquence cardiaque la plus basse au cours de l'intervention n'a pas été basse, justement, c'est-à-dire si elle a été au-dessus de 85 battements par minute, la charge de tachycardie péropératoire est donc importante. Et vous marquez 0 point. Alors qu'à l'inverse, si la fréquence cardiaque est plus lente, entre 55 et 65 battements par minute, par exemple, pour la valeur la plus basse au cours de l'intervention, la charge de tachycardie a été moindre et vous marquez à ce moment-là 3 points, par exemple. Et puis les deux autres paramètres sont la valeur la plus basse de pression artérielle moyenne et le saignement. Et j'attire à nouveau votre attention sur le fait qu'on ne parle pas de tachycardie sinusale majeure. On parle de fréquences cardiaques qui sont inférieures à 100 battements par minute dans tous les cas. Eh bien, ce score d'Apgar chirurgical est très intéressant à mesurer à la sortie du bloc opératoire, parce que pour une valeur de référence à 7, vous voyez que si le patient sort du bloc, quelle que soit l'évaluation et la stratification préopératoire que vous avez réalisée, il se passe des choses au bloc opératoire, s'il sort du bloc avec un Apgar à 10, eh bien, on a 3 fois moins de complications post-opératoires dans les 30 jours, et on a 2 fois moins de décès. Et à l'inverse, si le score d'Apgar est bas, inférieur à 4, eh bien vous voyez que les complications, la morbimortalité véritablement explosent. Et encore une fois, le contrôle de la fréquence cardiaque est un déterminant majeur de ce score d'Apgar chirurgical et donc du pronostic post-opératoire. Alors les bêta-bloqueurs, c'est un vaste sujet dont on a beaucoup parlé ces 20 dernières années. Si on essaie d'avoir une vision un petit peu globale des différentes indications dans lesquelles on peut les utiliser au cours de la période périopératoire, eh bien vous voyez, c'est la partie centrale de la diapositive en orange, qu'effectivement ils ont leur intérêt dans le maintien de l'équilibre de la balance énergétique du myocarde, que ça soit d'ailleurs en chirurgie cardiaque ou en chirurgie non cardiaque, en particulier chez le patient à risque. Alors, quel bêta-bloqueur ? Évidemment, les bêta-bloqueurs injectables sont mieux adaptés à une utilisation au bloc opératoire, et on a la chance depuis quelques années d'avoir deux bêta-bloqueurs à demi-vie courte, l'esmolol, et puis depuis moins longtemps le landiolol. Et évidemment, c'est très intéressant, en particulier le landiolol, puisqu'avec une demi-vie d'élimination de 4 minutes, on est presque sur une utilisation on-off, je dirais,
qui nous permet donc facilement, et c'est probablement ça le plus important, de faire machine arrière si jamais on s'est trompé ou si on l'a utilisé de manière peut-être un petit peu intempestive, puisque finalement, vous arrêtez la perfusion de l'andiolol et 15 minutes plus tard, le malade n'est plus du tout imprégné et donc n'est plus bêta-bloqué et vous êtes revenu à la situation de base, ce qui n'est évidemment pas envisageable avec des bêta-bloqueurs plus anciens comme l'athénolol ou le métoprolol qui ont de demi-vies d'élimination qui sont longues avec un effet bêta-bloqueur qui couvre quasiment le nictamère. Donc je dirais, l'intérêt du landiolol et de l'esmolol est probablement plus encore pharmacocinétique que pharmacodynamique, même s'il présente, d'un point de vue pharmacodynamique, les caractéristiques qui nous intéressent, la très grande cardiosélectivité bêta 1 et l'absence d'activité sympathomimétique intrinsèque. Donc il y a beaucoup d'études dans la littérature, je vais vous en montrer très très peu. Je vous montre celle-ci, même si elle est ancienne, vous voyez, elle a plus de 20 ans. Elle est vraiment intéressante, cette étude. Elle avait été très très bien menée. 150 patients donc proposés pour une chirurgie vasculaire artérielle, donc des patients à risque avec de nombreuses comorbidités. Ils bénéficiaient tous d'un Holter ECG dans les 24 heures précédant l'intervention. Ce qui a permis d'identifier sur cette cohorte de 150 malades 26 patients qui faisaient, malgré le traitement médical, de l'ischémie myocardique silencieuse préopératoire. Et ce sont ces 26 patients qui ont été randomisés en deux groupes, un groupe esmolol, un groupe placebo, avec un objectif individualisé de fréquence cardiaque. Donc ils ont fait finalement de la médecine individualisée avant l'heure, c'est-à-dire que le but était de maintenir la fréquence cardiaque au bloc opératoire de ces patients à une valeur de l'ordre de 20% en dessous de la fréquence cardiaque seuil à partir de laquelle ils avaient fait développer des manifestations ischémiques en préopératoire. Et ensuite, ils ont été toujours suivis par un monitorage Holter pendant 48 heures en post-opératoire. Et vous voyez donc deux choses. Évidemment, il est plus facile donc d'atteindre ces objectifs individualisés de fréquence cardiaque quand on utilise un bêta-bloqueur que quand on n'en utilise pas. Et puis, eh bien, on est efficace à ce moment-là pour réduire l'incidence de l'ischémie myocardique post-opératoire, qui était deux fois moins élevée dans le groupe esmolol. Alors, plein d'autres études ont été réalisées. Cette méta-analyse qui a déjà 10 ans maintenant en compile plus de 60, plus de 3500 patients, on parle de chirurgie non cardiaque, hein, et dans ces études, eh bien, clairement, l'utilisation périopératoire de l'esmolol dans un range de doses habituel est efficace pour réduire l'incidence de l'ischémie myocardique post-opératoire versus le placebo, avec un odds ratio, vous voyez, qui est bas, une réduction de l'ischémie qui est réellement importante. En post-opératoire, ça c'est un algorithme que l'on a publié dans cette revue générale suite à la journée monothématique de l'ASFAR sur la prise en charge du patient coronarien. Eh bien, lorsque vous êtes confronté à un patient qui, malgré tous vos efforts, a un mouvement de troponine post-opératoire, donc rentre dans le cadre du MINS avec l'impact pronostic défavorable que l'on sait, eh bien, il est conseillé là aussi de jouer sur tous les déterminants dont on a parlé depuis le début de ce topo pour rétablir l'équilibre de la balance énergétique du myocarde. Et donc les bêta-bloqueurs ou l'intensification du traitement bêta-bloqueur a vraisemblablement toute sa place dans cette indication. Ça, c'est une analyse post-hoc de la grosse étude Survive hein, sur, alors ce ne sont plus des patients chirurgicaux, mais des patients insuffisants cardiaques chroniques décompensés, juste pour vous montrer que quand on s'intéresse à la survie à 6 mois, donc à moyen terme, clairement, les patients qui étaient bêta-bloqués au moment de la décompensation et encore bêta-bloqué au moment de la sortie de l'événement aigu, avec donc une interruption thérapeutique la plus courte possible, sont aussi ceux qui survivent le mieux par rapport à ceux pour lesquels l'interruption du traitement bêta-bloqueur a été plus longue.
Alors le problème, c'est que les patients en péropératoire, ils ont plein de raisons d'accélérer leur fréquence cardiaque. Et je vous ai listé ici toute une série de raisons, bonnes ou moins bonnes, de tachycardie sinusale que l'on peut considérer pour certaines d'entre elles comme adaptatives, par exemple en réponse à l'hypovolémie, qui n'est pas toujours facile à diagnostiquer et à corriger, en réponse à l'anémie, qui ne relève pas forcément d'une transfusion sanguine, mais qui néanmoins peut être réelle, en réponse à l'hypoxémie. Et puis d'autres causes qui sont la conséquence de l'agression chirurgicale, l'hyperadrénergie post-opératoire, l'inflammation, qui sont des causes qui peuvent, elles, peut-être plus légitimement relever d'un traitement visant à contrôler la fréquence cardiaque pour essayer de limiter l'incidence des complications post-opératoires. Sauf que bah, les malades, ils ont souvent un petit peu tout ça. Et que faire le tri, même si c'est indispensable de le faire, et comprendre quelle est la cause principale ou quelles sont les causes principales de cette tachycardie n'est pas chose aisée. Et là encore, le risque est soit de ne rien faire et de majorer l'incidence des complications post-opératoires, soit d'en faire trop et de générer de l'incompétence chronotropique induite par les bêta-bloqueurs, par exemple, et là encore, de majorer l'incidence des complications post-opératoires. C'est exactement ce que disait ou ce qu'a montré d'une certaine manière l'étude POISE, dont on a abondamment parlé là aussi, c'est-à-dire que si on opte pour une stratégie simple, ou peut-être simpliste, qui consiste à dire, eh bien, je donne des bêta-bloqueurs à tout le monde, comme ça je vais réduire l'incidence des complications cardiaques post-opératoires, j'aurai moins d'infarctus, moins de mortalité de cause cardiovasculaire, et effectivement ça marche. Le problème est que ça génère d'autres complications, plus d'accidents vasculaires cérébraux, largement rattachés à un phénomène d'hypotension artérielle, et puis plus de mortalité globale, là aussi, eh bien, parce qu'à un moment donné, vraisemblablement, on génère de l'incompétence chronotropique. Et ça a été très très bien, je trouve, et très élégamment montré par cette étude qui avait été conduite par Yannick Le Manac, notre regretté Yannick Le Manac, lorsqu'il était à la Pitié-Salpêtrière, sur une grosse cohorte hein, de patients de chirurgie vasculaire ayant bénéficié donc d'une chirurgie de l'aorte abdominale sous-rénale. Donc quand on regarde les données globalement à gauche du graphique sur toute la cohorte de 1800 patients, eh bien, vous voyez que les bêta-bloqueurs jouent leur rôle protecteur à l'égard des complications cardiaques et des infarctus post-opératoires, mais c'est au prix d'une augmentation du risque de défaillance multiviscérale. Et lorsque l'on décompose cette cohorte en fonction du saignement post-opératoire, qui est quelque chose qui est très banal et évidemment qui nous concerne au plus haut point au cours de la période périopératoire, eh bien vous voyez que à gauche, juste à droite du trait rouge, les patients qui ont peu saigné pendant l'intervention, qui ont saigné normalement entre guillemets, eh bien ces patients-là véritablement bénéficient du contrôle ciblé de la fréquence cardiaque. Ils font moins de complications cardiaques post-opératoires et ils ne font pas plus d'autres complications. Mais si vous regardez complètement à droite, ceux qui ont beaucoup saigné, eh bien là, on perd complètement le bénéfice sur l'incidence des complications cardiovasculaires et on génère de la surmorbidité et on génère de la surmortalité, vraisemblablement parce qu'on a fabriqué de l'incompétence chronotropique à cause du traitement bêta-bloqueur qui a empêché ces patients de s'adapter au stress que représente l'hémorragie, que représente l'anémie, que représente l'hypovolémie. Les bêta-bloqueurs, si on revient à notre schéma et à la balance énergétique du myocarde, bah oui, ils ont des effets bénéfiques, ils diminuent la post-charge, ils diminuent la contractilité, évidemment, ils ralentissent la fréquence cardiaque, mais ils ont aussi potentiellement des effets délétères, ils peuvent trop ralentir la fréquence cardiaque, ils peuvent trop faire baisser la pression artérielle et donc la pression de perfusion coronaire, puis ils n'ont pas d'effet direct évidemment sur l'hémoglobine, mais ils peuvent, par l'incompétence chronotropique, empêcher l'adaptation et la réponse physiologique à l'anémie. Donc pour conclure, ce que je voudrais que vous reteniez
ce soir, c'est que la compétence chronotropique est absolument essentielle, elle est physiologique pour l'adaptation hémodynamique à l'effort et au stress périopératoire pour les patients chirurgicaux. Et ils en ont besoin pour s'adapter aux manifestations de cette période périopératoire. Il y en a beaucoup. A contrario, ralentir la fréquence cardiaque, notamment chez les patients à risque cardiaque, mais peut-être pas seulement, peut-être chez tous les patients, ralentir cette fréquence cardiaque de manière ciblée et individualisée, ça a un impact pronostique favorable qui est parfaitement démontré dans la littérature. Et donc on doit naviguer entre ne rien faire, qui n'est probablement pas la bonne réponse, en faire trop et générer de l'incompétence chronotropique, qui n'est pas non plus la bonne réponse. Or, la tachycardie sinusale périopératoire, elle est presque toujours multifactorielle. Elle est à certains égards nécessaire, à d'autres égards délétère. Et il est très difficile de savoir pour un patient donné si ce patient-là va bénéficier ou au contraire va subir les conséquences d'un contrôle ciblé de la fréquence cardiaque. Et donc la réponse, c'est, je pense, l'utilisation de bêta-bloqueurs à demi-vie courte pour pouvoir bénéficier d'un effet quasi on-off qui a l'énorme avantage de nous donner la possibilité de se tromper parce que dans une situation difficile comme celle-ci, eh bien, on peut se tromper et on se trompe, mais on peut à ce moment-là faire machine arrière. Voilà, je vous remercie. Bien, merci Jean-Luc pour ce topo qui était parfaitement clair et très limpide, et je pense qu'il était bourré de messages importants pour l'ensemble de nos collègues sur la prise en charge des patients, notamment ceux à haut risque cardiovasculaire. Déjà un certain nombre de questions, et moi j'aurais envie de te poser une question un peu, pour commencer, un peu provocatrice, auquel il n'y a pas forcément de réponse. C'est quoi la fréquence cardiaque de repos d'un individu? Comment tu la détermines? À quel moment? Ça, c'est une question, peut-être qu'il n'y a pas de réponse, ou peut-être que dans les études, c'est clairement défini. Est-ce que tu peux nous le dire? Ben non, il n'y a pas de réponse. C'est exactement la même réponse que la question « Quelle est la pression artérielle de référence qui doit être utilisée pour un patient donné ?» Non, tout ce que l'on sait, c'est ce que j'ai montré de cette analyse post-hoc de l'étude Vision, c'est-à-dire que plus cette fréquence cardiaque, à l'arrivée au bloc opératoire, qui ne correspond probablement pas à la fréquence cardiaque de repos d'ailleurs, plus elle est élevée et plus on observe à l'évidence, hein, de complications cardiaques graves. Et puis, on savait déjà depuis longtemps, mais ça, les cardiologues nous l'avaient appris, que chez les patients à risque cardiaque, et en particulier les coronariens, plus leur fréquence de repos est lente, et moins ils font de complications cardiaques aussi, et moins ils décèdent de causes cardiovasculaires. C'est pour ça que j'ai aussi beaucoup apprécié tes deux indices, hein, souvent ce qui est le plus simple et de meilleur goût, là, les deux indices, le double produit et puis le rapport entre la PAM et puis c'était la PAM, hein, et la fréquence cardiaque. L'indice de Buffington, ouais. Qui ressemble un petit peu d'ailleurs au score index, je crois que c'est la PRS là, sur la fréquence cardiaque. Mais est-ce que tu ne crois pas que justement, en les associant, peut-être pression artérielle et fréquence cardiaque, on répond à la question de justement quelle est la fréquence cardiaque de repos, quelle est la pression artérielle de repos ou idéale pour un patient? Est-ce que c'est plus sensible? Est-ce que c'est plus intéressant que de ne prendre que la fréquence, que la PAM, que de les prendre indépendamment? Est-ce que de les associer, finalement, on ne devrait pas le faire plus souvent, comme tu l'as indiqué? Moi, je pense que si. C'est-à-dire, je comprends pas bien, en fait, pourquoi ces deux indices cliniques, qui sont alors vraiment simples à estimer, hein, au bloc opératoire, puis qui n'engendrent aucun surcoût en termes de monitorage, ça, c'est le moins qu'on puisse dire, hein, et qui sont des espèces de guidelines qu'on peut facilement donner et expliquer à l'infirmière anesthésiste, par exemple, qui va surveiller le patient en continu au bloc opératoire, avec en plus une cible thérapeutique qui est un objectif du coup que l'on peut se fixer. Alors je sais bien qu'ils n'ont pas été validés de manière absolument indiscutable avec des grandes études randomisées multicentriques. Peut-être que d'ailleurs ça serait une bonne idée de faire ça. Mais ils font sens physiologiquement parlant, ils intègrent les principaux déterminants de l'équilibre de la balance énergétique du myocarde, et en couplant les deux et en se mettant ces objectifs simples, moi je veux croire que
on est dans une démarche vertueuse, en tout cas en matière de, d'équilibrage de la balance énergétique du myocarde, et que ça ne peut être potentiellement que bénéfique. En tout cas, j'invite, moi, toujours, quand je suis au bloc opératoire, les infirmiers anesthésistes, les internes qui travaillent avec moi, à avoir un œil sur ces deux indices cliniques simples. Alors, élément simple, objectif personnalisé, finalement, également pour chaque patient, dans ce contexte-là, et justement, comment l'atteindre. Et là, il y a quelques questions qui sont tombées là, sur le site de l'ASFA, et qui portent sur les médicaments à utiliser. Tu nous as montré à un moment donné bêta-bloqueurs, et puis il y avait d'autres familles de médicaments. Je pense notamment à certains dont ils traînent dans un certain nombre de recommandations l'utilisation de certains inhibiteurs calciques pour le contrôle de la fréquence cardiaque en anesthésie réa. Il y en a un autre qui je ne vais pas dire qu'il nous a déçus, mais qui n'a pas eu peut-être le succès qu'il aurait mérité, l'ivabradine. Et enfin, une dernière catégorie de médicaments qui, par contre, là, est rentrée dans le bloc opératoire, qui sont les alpha-2 bloqueurs, etc. Qu'est-ce que tu peux dire de ces autres familles que les bêta-bloquants dans ce contexte-là ? Sur les inhibiteurs calciques, j'ai une idée assez claire. Je fais un peu l'analogie d'ailleurs avec les recommandations internationales sur le contrôle de la fréquence ventriculaire dans l'arythmie, dans l'AFA, l'AFA post-opératoire. Ce sont des médicaments qui ne sont pas faciles à manier. D'abord, ils sont inotropes négatifs, donc il faut faire attention. Ils sont contre-indiqués quand la fraction d'éjection est inférieure à 40%. Et puis, ils ont une demi-vie au plan pharmacocinétique qui est plus longue. Du coup, ils sont moins maniables et on risque davantage d'outrepasser ces objectifs et de faire finalement peut-être plus de mal que de bien. Donc, les inhibiteurs calciques, je dirais non. L'ivabradine, il n'y a pas beaucoup de littérature. Il y en a un peu, tu la connais. C'est vrai que dans la mesure où elle n'est pas du tout une eutrope négative, elle peut présenter un intérêt théorique, et c'est pour ça que je l'ai mise moi sur ma diapo. Il y a une étude récente qui avait été réalisée là, par Julien Amour, Bernard Chollet aussi je crois, en chirurgie cardiaque, qui montrait que ça pouvait présenter un intérêt. Après, d'un point de vue pharmacocinétique, on n'est pas non plus dans une utilisation on-off, mais pourquoi pas. Ça mériterait probablement quelques études supplémentaires. Et je me suis trompé, c'est les agonistes alpha-2. Oui, les alpha-2 agonistes, comme la dexmedétomidine. Oui, on est dans la même démarche d'un point de vue pharmacologique, d'un point de vue physiologique. C'est pareil. On a évidemment beaucoup moins de littérature qu'avec les bêta-bloqueurs. On n'a pas cette pharmacocinétique on-off. Moi, j'ai toujours peur, c'est ça le risque, c'est créer de l'incompétence chronotropique, c'est-à-dire que on a mal estimé les vraies raisons pour lesquelles le patient était tachycarde ou peut-être plus rapide. On part avec le sentiment qui est un bon sentiment de ralentir sa fréquence cardiaque. En plus, il a des facteurs de risque cardiovasculaire. On utilise un médicament qui ne permet pas cette souplesse là en off. La dexmedétomidine, et puis le résultat va un peu au-delà de ce qu'on avait imaginé, la fréquence cardiaque est trop lente, en plus la pression artérielle baisse, et on est embêté, et on n'est pas sûr finalement qu'on ne va pas être plus délétère que bénéfique. Tout le problème, il est là, mais sinon, oui, c'est un médicament, la dexmedétomidine, qui possède des bonnes caractéristiques pharmacologiques pour avoir ce genre de stratégie et ce genre d'objectif, et d'ailleurs... aujourd'hui, l'ESA, les AIC maintenant, la recommande pour la sédation procédurale au bloc opératoire. Et c'est vrai que c'est intéressant. Alors, pendant que tu faisais ta présentation, et juste avant que tu montres les résultats de l'étude POISE, une question est tombée justement sur quid de l'AVC, de l'utilisation des bêta-bloquants en périopératoire, une introduction récente de bêta-bloquants, et là, on nous cite d'autres exemples d'introduction de bêta-bloquants dans d'autres indications que cardiovasculaires, notamment le propranolol pour des migraines, palpitations ou tremblements. Doit-il, ce patient qui a eu cette introduction récente de bêta-bloquants, doit-il être récusé pour une chirurgie non urgente? Qu'est-ce que tu en penses? Alors c'est un peu un autre sujet, et en même temps je comprends que ça soit un sujet d'inquiétude. Alors le propranolol, effectivement, c'est pas un bêta-bloquant intéressant pour nous, hein, parce que d'abord il est liposoluble, donc il peut donner des troubles cognitifs avec des épisodes de bouffées délirantes ou de psychoses hallucinatoires, et ça a été décrit ça, et puis il n'est pas du tout cardio-sélectif, et puis il a une activité sympathomimétique intrinsèque, donc c'est tout le contraire de ce qui nous intéresse en gros, et puis il a une demi-vie avec des problèmes pharmacocinétiques qui ne sont pas intéressantes.
Moi, j'ai envie de dire, je vais être un tout petit peu provocateur parce que ça n'est pas actuellement ce que les recommandations de la SFAR disent. Mais le risque d'incompétence chronotropique, quand on a fait les recommandations sur les bêta-bloqueurs, c'est quelque chose qu'on n'a pas tellement pris en compte. On ne parlait pas d'ailleurs vraiment d'incompétence chronotropique pharmacologiquement induite. Ce que moi je fais, mais ça ne veut pas dire qu'il faut le faire, mais je me mouille et je donne mon avis. Ce que moi je fais chez les patients chroniquement traités par bêta-bloqueur, parce qu'aujourd'hui je crois qu'introduire un bêta-bloqueur en préopératoire, péroche, chez un malade qui n'est pas chroniquement traité, qui n'a pas d'indication formelle, il ne faut pas le faire. Mais ce que je fais, c'est que si sa fréquence cardiaque de repos, la veille au soir de l'intervention, est trop basse, ça existe. C'est-à-dire si je soupçonne éventuellement un surdosage, eh bien, contrairement à ce qui est recommandé, je ne devrais pas le dire, mais je le dis quand même, je ne lui donne pas son bêta-bloqueur le matin de l'intervention. Et ensuite, quand il arrive au bloc opératoire, j'ai toujours la possibilité, pour ajuster de manière plus fine, beaucoup plus souple, beaucoup plus maniable et beaucoup plus rétroactive, je dirais, sa fréquence cardiaque, en introduisant un bêta-bloqueur injectable, comme le landiolol, comme l'esmolol, je dirais plutôt le landiolol aujourd'hui si vous l'avez, avec une titration, sans bolus, pour un objectif de fréquence cardiaque que l'on se fixe, avec la problématique que tu soulevais très justement, quel est l'objectif de fréquence cardiaque cible pour un patient donné? Alors l'étude de Rabi, c'est pour ça que je l'ai montré, elle est magnifique, parce qu'évidemment, les malades ont eu un holter préopératoire, ils ont fait de l'ischémie, on sait à partir de quel seuil de fréquence cardiaque ils ont fait de l'ischémie, et là on peut vraiment définir une valeur cible. Évidemment, en pratique, ce n'est pas possible. Donc, vous avez vu, on va se situer, si elle est malade à risque, sur un range, je dirais, entre 60 et 70, qui est assez serré finalement de fréquence cardiaque, qui me paraît, moi, une assez bonne cible. Descendre en dessous de 60, c'est toujours un petit peu plus délicat. Sans monitorage du volume d'éjection systolique et du débit cardiaque. Alors l'autre question qui vient autour de la pharmacocinétique des bêta-bloquants, c'est leur réintroduction post-opératoire, qui des fois pose problème justement. Qu'est-ce que tu peux dire concernant la biodisponibilité? Est-ce que la simple réintroduction du traitement habituel du patient PERO se fait sans problème et qu'il n'y a aucune arrière-pensée? Ou au contraire, est-ce qu'il faut continuer à encore être attentif? Alors ça, c'est une très bonne question. Là encore, ça va soulever d'autres questions, ce que je vais dire. On a peu d'études de pharmacologie qui se sont intéressées justement à la biodisponibilité, aux concentrations plasmatiques des bêta-bloqueurs lorsqu'ils sont réintroduits PEROS après une chirurgie lourde. Parce que si on parle de chirurgie ambulatoire, il n'y a pas de débat. Mais après une chirurgie lourde, notamment une chirurgie viscérale, mais même pas que. Et ce qu'on s'est aperçu, ce que ces études nous ont montré, c'est que c'est probablement la fausse bonne idée de les réintroduire précocement PEROS, parce que la biodisponibilité est très aléatoire et très diminuée, parce que les concentrations plasmatiques sont basses et que du coup la protection conférée par le bêta-bloqueur, elle aussi, est diminuée et aléatoire. Et c'est vrai, évidemment, lorsqu'il y a un ileus, réflexe post-opératoire, mais c'est vrai aussi, et ça a été démontré en chirurgie cardiaque, où pourtant les malades n'ont pas véritablement d'ileus. Et c'est pour ça que les recommandations nord-américaines, et on ne le fait pas en France, on le fait peu, elle conseille de relayer le traitement bêta-bloqueur dans les 24 premières heures post-opératoires en chirurgie cardiaque par un traitement IVSE. Ce qui sous-entend évidemment que le malade est dans une unité de soins critiques avec de la télémétrie. Donc, je n'ai pas de réponse définitive à cette question-là, qui sont des très bonnes questions, mais je pense que la réintroduction précoce du traitement oral est peut-être une fausse bonne idée. En tout cas, il faut garder présent à l'esprit que ce n'est probablement pas ce que l'on peut faire de mieux. Alors après, est-ce que ça veut dire que certains malades qu'on voulait faire sortir rapidement dans le cadre de la réhabilitation précoce, eh ben peut-être qu'il faudrait aller à contre-courant, être un peu moins précoce et les garder 24 heures dans un lit d'USC si on en a. Eh ben, chez les malades à risque, sincèrement, je me pose la question. Cette question qui va à contre-courant. Écoute, Jean-Luc, il n'y a pas d'autres questions sur le site de l'ASFAR. Écoute, je crois que
On a à la fois su répondre à des questions importantes que chacun doit se poser dans la prise en charge de ses patients, notamment sur des grandeurs assez faciles à monitorer, la fréquence cardiaque tout de même. Et nous sommes bien sûr, si d'autres questions sont amenées à être posées, tout à fait disposés à y répondre par la suite. Je vous remercie de votre attention et encore merci Jean-Luc pour cet exposé qui était de grande qualité. Merci à toi. Beaucoup.